Ne pouvait échapper variation, direct proportion and inverse proportion. Example n, d is directly proportional to the square of t. Alors ici, première phrase, il peut dire que d is directly proportional to the square of t. Alors d, notre proportionality sign, even is equal to k t square. Ça, c'est l'information qui donne de nous. Next, pour autre valeur qu'elle donne de nous une information, when d is equal to 80, t is equal to 4. Alors nous remplacer. Quand d est 80, t est égal 4. Alors d, nous pouvons remplacer par 80. Égal k fois t est 4 ce square. Alors 80 pour égal k fois 4 ce square fait 16. Et k pour 20, 80 divisé par 16. Et que valeur k 20, 80 divisé par 16, ça devient 5. Alors nous gagnons valeur k égale 5. Alors, sa équation là, Livin, d égale 5 fois t square. Alors, nous répondons à nos questions. Partie A, il demande express d in terms of t. Ça, c'est nos réponses. D égale 5 t square. Next, partie B, il dit work out the value of d when t is equal to 7. Je vais nous servir sa équation là. D égale 5 t square. Nous remplace valeur t par 7. Alors, d pour égal 5 fois 7 square. Alors, valeur d pour venir 5 fois 7 ce square. 7 fois 7 fait 49. Là, la valeur d pour venir 5 fois 49. Réponse pour venir 245. Ça, c'est partie B. Next, nous répondons partie C. Partie C, on va work out the positive value of d when d is equal to 45. Alors, toujours, nous vous savez, même équation. D égale 5t square. L'indice remplace valeur d par 45. Nous faisons. Alors, il y a 45 égale 5t square. 5 p fois, on a à gauche. Il y a 45 divisé par 5 égale t square. Alors, 9 égale t square. Ou, nous sommes capables d'écrire que t square égale 9. Next, nous prenons square dans l'autre côté. Alors, quand nous prenons square dans l'autre côté, d'habitude, il y a plus ou moins square root 9. Mais il demande positive value of t. Alors, nous prenons 10 positive square root. Divine positive square root de 9, valeur t vin 3. Ça, c'est réponse pour partie C. Exemple 2. M is directly proportional to L cube. Alors, ici, première phrase, il y a qui M est directly proportional to L cube. Alors, M égale K fois L cube. Next, pour autre valeur K, deuxième phrase, il y a que L égale 2. Valeur M égale 160. Nous remplacer, divine 160 égale K fois L 2, nous fait 2 cubes. 160 égale K fois 2 cubes. 2 fois 2, 4, 4 fois 2 fait 8. Nous envoyons 8 à gauche, divine 160 divisé par 8 égale K. Next, 160 divisé par 8, ça lui fait 20. Alors 20 égale K, ou nous capable dire que K est 20. Alors nous remplacer dans nos équations ici. Alors, M égale K lin 20 fois L cube. Alors, nous vous servir sa équation là pour répondre à une question là. Rode valeur M quand L égale 3. Nous remplace valeur L par 3 là-dedans. Divine M égale 20 fois 3 cubes. M pour 20 fois 3 cubes, c'est 3 fois 3, 9. 9 fois 3 fait 27. Alors, M pour 20 fois 27, il fait 540. Ça, c'est réponse pour. Exemple 2. Exemple 3. D is proportional to S square. Alors, quand il dit proportional, nous assumons qu'il est directly proportional. D is directly proportional to S square. Alors, D égale K fois S square. Next, pour autre valeur K, il dit la deuxième phrase qui, quand D égale 900, quand D égale 900, S pour égale 20, nous remplacer. Alors, D nous remplacer par 900 égale K fois S li 20, nous fait 20 ce square. Alors, 900 égale K fois 20 ce square, 20 fois 20 li fait 400. Alors, next, 400 li fait fois, nous avons à gauche, li 900. Divise par 400, ça égale K.
Next, valeur K égale 900 divisé par 400, ça lui fait 2,25. Alors, valeur K, lui vient 2,25. Next, nous remplaçons valeur K. D égale valeur K, lui 2,25 fois S square. Alors, question qu'il vient nous faire, route valeur D quand S égale 25. Alors, nous pour remplacer valeur S par 25. De la D pour venir, 2,25 fois 25 ce square. Alors, D pour égal 2,25 fois 25 ce square. 25 fois 25 fait 625. De la valeur D pour venir, 625 fois 2,25. Réponse finale pour venir, 1406,25. Ça, c'est réponse pour exemple 3. Exemple 4, y is inversely proportional to x square, given that y is equal to 2.5 when x is equal to 24. Première partie, find an expression for y in terms of x. Alors ici, il peut dire que y is proportional, mais inversely to x square. Là, il vient, y is equal to k over x square. Next, dans sa équation-là, pour autre valeur k, l'india qui quand y est 2.5, x est 24, nous remplacer. Nous remplace y par 2.5 et x par 24. Alors, équation là pour venir 2.5 égale k sur x square 24 square. Alors, 2.5 pour égal k sur 24 sur square, il fait 576. Nous cross multiply. Alors, vous trouvez qui valait k ici. Livin, 2.5 multiplié par 576, valeur K pour Vin, sous-évalué, Livin, 1440. Next, nous remplaçons nos valeurs K, Y égale K, Livin, 1440, sur X square. Ok, alors ça c'est réponse pour première partie. Continue to find an expression for y in terms of x, alors y in terms of x, y égale 1440 sur x square. Next, nous répondons deuxième partie. Find the value of y when x is equal to 20. Y égale 1440 sur x square. Là, dans l'indice, remplace x par 20 root y. Alors, y pour venir 1440 divise par x de 20 ce square. Alors, y vient 1440 sur 20 ce square. 20 fois 20 fait 400. Alors, y pour venir, si nous évaluons 1440 divisé par 400, réponse pour venir 3,6. Next, nous répondons troisième partie. Troisième partie, nous servons même équation y égale 1440 sur x square. Mais ici, il peut dire remplace y par n.6 pour autre x. Alors, y li n.6 égale 1440 divisé par x square. Nous cross multiply. Alors ici, pour venir, n.6 fois x square égale 1440. X square pour venir, 1440 divisé par n.6. Alors x square pour venir, 1440 divisé par n.6, il fait 900. Next, nous prenons square et envoyons à droite. X pour venir, plus ou moins square root de 900. Alors x pour venir, square root de 900, il fait 30. Alors réponse pour venir, plus ou minus 30. Ça, c'est réponse pour troisième partie. Exemple 5. P is inversely proportional to M. When P is equal to 48, M is equal to 9. Alors ici, on dit que P is proportional, mais inversely to M. Alors P pour égal K sur M. Next, pour autre valeur K, l'indice que P pour égal 48, valeur M pour égal 9, nous remplacer. P de 48 égale K sur M de 9. Nous cross-multiply. K pour venir, 48 multiplié par 9, il fait 432. Alors, équation là, vient P égale K. Nous gagnons 432 sur M. Alors, next, question indice, route valeur P, quand nous remplace M par 12. Alors, nous pouvons remplacer valeur M par 12. De la P pour venir,
432 divise par 12. Valeur P pour 432 divise par 12, il fait 36. Ça, c'est réponse pour exemple 5.